Le maréchal Khalifa Haftar a appelé lundi à Benghazi à une répartition équitable des recettes pétrolières en Libye. La haute commission appelée à se pencher sur le sujet n'est toujours pas opérationnelle. L'homme fort de l'Est a annoncé un délai jusqu'à fin août pour que cette commission complète sa mission. Principale source de revenus du pays, le pétrole est aussi la pomme de discorde majeure des deux gouvernements rivaux, celui de Tripoli et de l'Est, qui se disputent le pouvoir en Libye. Les recettes de l'or noir sont gérées par la Compagnie nationale de pétrole et la Banque centrale, basée à Tripoli, où siège l'exécutif reconnu par l'ONU. Le 24 juin, le chef du gouvernement parallèle installé dans l'Est avait menacé de bloquer les exportations d'hydrocarbures, exigeant une saisie des revenus pétroliers gérés par ses rivaux.